Bonjour, je suis très heureux Bonjour. de vous retrouver pour cette édition exceptionnelle et virtuelle du printemps de l'optimisme. Alors, vous me direz, un printemps en pleine pandémie, bah justement, oui. Parce que nous professons depuis longtemps que lorsque ça va bien, on peut même avoir quelques états d'âme. C'est face aux difficultés, aux épreuves, qu'il faut encore plus mobiliser les énergies positives. En s'écartant de ces trois grandes tentations humaines qui sont très en vogue en France et qui évitent toujours de se remettre en cause, l'exagération des risques et des souffrances, la victimisation, la recherche de boucs émissaires. Et surtout, en ayant toujours en tête cette réalité encore trop souvent méconnue, le moral d'une personne comme d'une nation ne dépend pas seulement de critères rationnels. Pour une personne, de sa formation, de sa culture, ou pour un pays, de son climat, de ses ressources, de sa main-d'œuvre. Il dépend aussi de son psychisme, son mental, sa capacité à aller de l'avant, à bouger, à innover, à entreprendre, à libérer de l'énergie, et donc avec une capacité d'entraînement. Alors, durant trois semaines, suivez avec nous les entretiens qui commencent aujourd'hui avec des personnalités inspirantes, des conseils pratiques, les livres, les cours de yoga du bonheur, les mini-vidéos de Lina que je vous recommande de ne pas manquer avec de l'humour et de la bienveillance. Oui, ce sera un vrai printemps et gratuit d'accès, comme toujours, avec à votre bon cœur un don même minime pour nous aider à couvrir les frais techniques. Un vrai printemps, car en plus, nous l'ouvrons avec un fidèle de notre événement, un auteur à succès, dont les tirages font rêver n'importe quel écrivain. Son dernier ouvrage, « On n'est jamais mieux soigné que par soi-même », aux éditions Plomb, un médecin cardiologue, nutritionniste, qui a compris très en avance qu'avant même de traiter la maladie, on pouvait commencer par tout faire pour l'éviter. Quoi de mieux pour ouvrir notre semaine de la vitalité que cet entretien avec Frédéric Stallmann. Bonjour Frédéric et merci mille fois, une fois de plus, d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, pour prendre soin de sa santé mentale, de son moral, de ce qu'on appelle son bonheur, quel que soit le concept d'ailleurs qu'on met derrière, est essentiel à la bonne santé physique, alors que nous traversons encore une crise où évidemment le repli a été considérable avec les confinements pour beaucoup de Français. Moi, je pense que le printemps de l'optimisme, il devrait être prescrit sur ordonnance et remboursé par la sécurité sociale. Parce que quand on est optimiste, d'abord on fait des vieux os, une étude a montré que quand on voit justement la bouteille à moitié pleine, on gagne 8 ans d'espérance de vie en bonne santé. Donc déjà, l'optimisme, c'est déjà formidable, parce que c'est une énergie positive qui va booster notre système immunitaire. Non seulement on voit la vie en rose, mais en plus, on se fait tellement de bien pour sa santé. Donc, c'est formidable. Je veux dire qu'on est dans une période effectivement difficile, mais je dirais que c'est un petit peu comme le stress. Ce n'est pas le stress qui compte, c'est la réaction au stress. Face à un même stress, des mêmes événements, il y a des individus qui vont réagir positivement en prenant le meilleur. En gros, dans un ciel obscurci, rechercher toujours le tout petit rayon de soleil qui commence à poindre du nez. Et à partir du moment où on prend cette dynamique, qu'on est capable de repérer ce qui, non pas ce qui va mal, mais ce qui va bien, on a des ressorts pour avancer encore plus fort. Et comme médecin, comment toi-même est-ce que tu as traversé cette pandémie et qu'est-ce que tu as observé justement de particulier chez tes patients?
Moi, ce que j'ai observé depuis un petit peu plus d'un an avec cette pandémie, c'est que ceux qui s'en sortent bien sont en grande majorité ceux qui ont la meilleure hygiène de vie. Donc, par exemple, on s'est aperçu qu'où on a beaucoup de sujets qui ne vont pas bien, c'est les sujets qui sont en excès de poids. C'est-à-dire que l'obésité et le Covid, ça fait très mauvais ménage. Et parmi les sujets qui décèdent, qui passent en réa par rapport au Covid, on a un nombre très important de gens qui sont en excès de poids. Donc l'obésité, ça fait partie, je l'ai dit dans un de mes livres, 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Donc toujours se débrouiller pour avoir son poids de forme, manger avec bon sens quand on a faim. Aujourd'hui en France, on ne meurt pas de carence, on ne meurt pas de faim, on meurt d'excès. Beaucoup de gens se mettent à table alors qu'ils n'ont pas faim du tout. Bien s'hydrater, ça c'est important, parce que si on ne pense pas à boire, on va avoir des gros coups de pompe dans la journée. Par contre, mettez-vous à table quand vous avez faim. Et c'est pour ça que je fais partie des... Je recommande toujours le jeûne séquentiel, quand il n'y a pas de contre-indication du médecin traitant, au moins 16 heures par jour, en buvant de l'eau, du thé, des tisanes, et en passant à 2 repas au lieu de 3. Qu'est-ce qu'on se fait comme bien à ce moment-là? Mais ce qui m'a néanmoins toujours frappé chez toi, dans tes interventions, dans tes livres, c'est que tu donnes aussi des trucs ou des recettes quoi, pour concilier la sécurité que tu appelles de tes voeux et quand même ne pas sacrifier non plus tout le temps tous les petits bonheurs de la vie. Non, c'est-à-dire que la jouissance, quand on parle de passer à 2 repas au lieu de 3, il est évident que, bien évidemment, ça veut dire que les 2 repas qu'on va passer vont être tout à fait agréables. Il ne s'agit pas de prendre des régimes tristes, mais joyeux. D'ailleurs, on a remarqué quelque chose de passionnant par rapport au jeûne séquentiel, c'est que quand on pratique ce jeûne tous les jours, eh bien on sécrète une molécule qui s'appelle BDNF, et cette molécule, elle fait qu'on pense plus rapide, plus vite, mais aussi qu'on est de meilleure humeur. Donc, contrairement au fait que quand on n'a pas pris son jeûne séquentiel, on a une humeur optimiste absolument formidable. Ça ne s'arrête pas là, puisqu'également, on va augmenter notre système immunitaire, notamment l'autophagie, c'est ce qu'a montré un Nobel japonais. On sécrète l'hormone de croissance anti-vieillissement jusqu'à 3000%. Donc, c'est une vraie cure de jeunesse. Donc, quelque part, vous savez, digérer, c'est pas rien, c'est faire travailler une dizaine d'organes, le foie, les reins, c'est une usine. Et tout comme si on avait dans une vie un nombre limité à prendre, 2 repas au lieu de 3, ça vaut le coup de tenter le coup. Vous savez, quand on digère, on est fatigué, et vous verrez l'énergie que l'on puise du jeûne, elle est absolument considérable. À chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge, qui peut donner lieu à des cancers. Eh bien, quand on pratique ce jeûne, on renforce l'ADN, il y a moins d'erreurs de copie. D'ailleurs, toutes les religions du monde, depuis le début de l'humanité, parlent du jeûne comme un message du fond de la nuit des temps. Donc, je veux dire que faites cet essai, passez à 2 repas, au bout de 16 heures, demandez-vous en ayant bien bu, bien hydraté, comment vous vous sentez. Et vous jugerez par vous-même. Vous serez, en tous les cas, plus optimiste. Et alors, si on respecte le jeûne séquentiel et qu'on veut quand même se faire un petit bonheur, c'est là qu'on va chercher quoi? Même une recette de gâteau? Je crois que tu en as mis une dans ton dernier livre. Alors, j'ai trouvé... Alors, c'est une histoire assez incroyable. À un moment donné... Je vois 2 études scientifiques qui sortent, qui montrent qu'on peut maigrir en mangeant des gâteaux, en particulier l'acétate du gâteau au chocolat. Alors je m'attendais, mais c'est un rêve ce truc-là. Et puis je m'aperçois que l'étude a été très bien faite, et on s'est aperçu qu'en prenant un groupe de sujets avec un nombre de calories restreint et le même groupe aussi, le groupe qui parmi son repas avait du gâteau au chocolat maigrissait beaucoup mieux et de façon durable au fil des années par rapport au groupe sans gâteau.
L'explication, elle tient en fait que quand on mange un gâteau au chocolat, on fait un dérapage contrôlé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frustration. Mais surtout, on stimule la leptine, qui est l'hormone de la satiété, qui fait qu'on a nettement moins faim, donc on va pratiquement pas grignoter. Et alors, si vous voulez faire encore plus fort, vous pouvez prendre votre gâteau au chocolat en début de repas. À ce moment-là, vous allez activer la glucokinase, qui est une molécule qui fait qu'on a l'impression que le repas est fini avant que ça commence. Donc, c'est un coup de frein sur l'appétit. Alors, ce n'est pas n'importe quel gâteau au chocolat. Dans le livre, j'ai exposé la recette qui est très précise. Ce qui m'a fait très plaisir, c'est que j'ai reçu un nombre incroyable de messages qui sont arrivés chez l'éditeur, de gens qui me disent « je l'ai essayé, il est bon et ça marche ». Alors moi, je suis réjoui, très content parce que je m'aperçois qu'en douceur, on peut perdre du poids en se faisant un très grand plaisir. Formidable. J'imagine que tu vas continuer à susciter pour tous ceux qui nous écoutent l'idée d'aller chercher la recette dans le livre. Et sans doute que le gâteau au chocolat, il est plus marrant parce que j'ai retenu de toi depuis longtemps que simplement une petite barre de chocolat noir avant le repas, ça pouvait avoir déjà un des effets que tu indiquais, mais ils vont aller le chercher. Alors, si tu veux bien, passons maintenant en revue pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, quelques conseils pratiques sur la vitalité, qui est notre sujet de la semaine, pour que nos amis passent un mois de mai qui va les rebooster avant l'été. Alors, l'activité physique, alors, comment fait-on en temps de confinement? Est-ce qu'on a quelques trucs? Oui, l'activité physique, c'est essentiel, parce que d'abord, quand on a de l'activité physique, on sécrète des endorphines, ces hormones du bonheur, de l'optimisme, et donc on se fait tous les jours un shot d'hormones qui vont faire qu'on voit la vie en rose. 30 minutes d'exercice physique par jour, sans s'arrêter, baisse de 40% cancer Alzheimer et maladies cardiovasculaires. Mais surtout, une équipe américaine récemment a démontré que quand on pratique l'exercice physique tous les jours, on sécrète une enzyme qu'on appelle ECSOD, qui est anti-Covid. Donc en fait, on aura beaucoup moins de formes sévères de Covid et beaucoup moins souvent. Donc en fait, on se fabrique son armure anti-Covid. Vous savez, quand on fait de l'exercice physique, les 20 premières minutes, on brûle du sucre. Après, on brûle des mauvaises graisses et on libère 1004 molécules protectrices, un vrai bouclier, mais qui ne durent que 24 heures. C'est-à-dire que les gens qui me disent, par exemple, je fais du sport le week-end, je leur dis, tant que vous y êtes, vous lavez les dents que le week-end. Donc, ce qui est très important, c'est tous les jours d'avoir ce rituel de faire cet exercice. Alors, en période de confinement, on peut toujours s'acheter sur Internet un petit vélo d'appartement, ça prend vraiment rien du tout comme place. On peut regarder la télé dessus, regarder ses écrans, passer ses coups de fil, ses SMS dessus, au lieu de rester assis dans un canapé ou sur une chaise, et bien en même temps, on se fait un bien fou. Formidable. Et alors, l'actualité est pleine, évidemment, à cause du confinement, des troubles, de santé mentale, des difficultés. Est-ce qu'il y a quelques exercices, justement, qui sont bons pour la santé mentale, des exercices de mémoire, d'expression de la gratitude, dont on parle, nous, déjà depuis longtemps? Ce qui est très important, c'est de faire travailler au maximum son cerveau. Vous savez, en 3 semaines de vacances, on perd 20 points de quotient intellectuel. Et Einstein le disait, la vie c'est comme la bicyclette, on arrête de pédaler, on tombe. Donc ce qui est très important, c'est d'exercer son cerveau en permanence, et ce qui va faire qu'on est de meilleure humeur, qu'on sécrète de la dopamine, qui est une hormone du bonheur, c'est que justement, on va faire des choses nouvelles. Par exemple, apprenez, et avec Internet on peut le faire, une langue étrangère. En apprenant des nouveaux mots, une nouvelle langue,
on fait travailler d'autres systèmes du cerveau et on se bien, fait un bien fou. On avait fait une expérience passionnante, on avait demandé à des gens de jongler, on leur a fait un IRM à J0. Pendant 3 mois, ils ont appris à jongler. Au bout de 3 mois, quand on a refait un IRM, une nouvelle zone du cerveau s'était formée. Apprenez un instrument de musique, une langue étrangère, essayez des recettes de cuisine. En gros, faites des choses inhabituelles. Plus vous irez dans des territoires nouveaux, plus vous serez optimiste et heureux. Frédéric, nous arrivons à la fin de notre entretien. Qu'est-ce qui pourrait manquer pour nos amis en ce mois de mai? Un truc, une recette, un exercice à faire chaque jour que nous n'aurions pas abordé? Je veux dire que, bon, vous savez, je vais vous donner un petit truc personnel. Tous les jours, en me réveillant, je prends une douche froide. Alors, c'est un petit frisson minceur, on perd quelques calories. Mais surtout, plusieurs études ont montré qu'on libère un shot d'endorphine qui fait qu'on voit la vie en rose absolument extraordinaire après. Essayez, vous verrez. En plus, c'est bon pour la planète. On consomme très peu d'eau et très peu d'énergie. Voilà, chers amis, vous avez compris tout ce qu'on a, tout ce qu'on vient de balayer qui pour avoir de la vitalité en ce mois de mai, avec en plus le dernier exercice évoqué par Frédéric est important. Merci mille fois, Frédéric. Je rappelle le titre de ton livre aux éditions Plomb. On n'est jamais mieux soigné que par soi-même. Cette semaine, programme riche à découvrir sur le site du Printemps de l'Optimisme, webinar sur les travaux du docteur Gouet, yoga, archives de l'INA. Ne les manquez pas, vous allez voir, c'est formidable. Webinar, je l'ai dit, chaque jour et plusieurs fois par jour, vous pouvez vous entraîner avec des conseils de lecture pour mobiliser les énergies positives. Par nos propositions, essayez d'aller de l'avant et de rendre ce mois de mai pour vous, pour les autres, pour la société, si la COVID veut bien nous laisser tranquilles, pour que ce pays reparte, y compris avec vous, avec vos propres énergies positives. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour inaugurer notre semaine dédiée à la rencontre et au partage avec une autre de nos fidèles, Florence Servan-Schreiber. Merci, portez-vous bien, soyez énergiques.